Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, son nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, on va retourner donc toujours en Battle Arena, machin, tout ça, bidule truc, avec ce robot. Hop. Et on va toujours essayer de l'étraîner un petit peu, voir ce qu'on peut encore en modifier. Je sais qu'il est très lent. Bien sûr, si vous avez d'autres robots à me proposer, n'hésitez pas à le faire. Je pense que juste tout de suite après le tournage, j'aime faire une petite session réponse aux commentaires. Ça va être sympa. S'il faut savoir, c'est bête à dire, chers amis, mais avant de commenter, regardez la date de la vidéo un petit peu. Parce que je vois des vidéos sur les épisodes 12 ou 13 de Robocraft. Donc les gens regardent des vidéos de Robocraft, d'une version du jeu qu'ils ne sont pas à même de jouer, parce que le jeu a beaucoup évolué depuis. Et ils arrivent à me commenter de pas faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça me dérange pas en soi, mais après voilà, c'est. J'ai l'impression un petit peu de perdre mon temps quand je réponds à des personnes comme ça. Après, moi j'apprécie toujours de tenir une réponse, donc je comprends que vous aussi puissiez aimer ça. Y'a rien là-bas. Ouais, ça commence. Hop, les dégage. Hop, ben je vais atterrir dessus. Non. Tout était calculé. Appelez. Appelez, non mais oh. Hop. Il a déjà repop lui. On en prend plein la poire par contre, ça c'est d'une violence. Est-ce qu'on a toujours le heal derrière nous? Hop. Apparemment, on n'a plus le heal derrière nous, effectivement. Ah, puis je dois avoir plus que deux canons en plus, ça doit être une violence. Je fais ce que je peux pour sauver la vie à mon pote, mais c'est d'une complexité un petit peu trop grande pour moi, apparemment. Alors je tiens juste à préciser que normalement les rotors ça marche pas du tout comme ça. Hein. C'est pas plus t'en mets, au contraire, normalement plus t'en mets, moins c'est efficace en vrai. Mais je pense que la fiche de jeu, faut que j'arrête d'essayer d'y réfléchir en fait. Tout connement. Oula, je sens que c'est pas le bon jour pour jouer à Robocraft. Une fois n'est pas coutume. Tu n'es pas censé voler non plus, on dirait un mec sorti de Tron. Ok. Alors déjà quand on voit les équipes où c'est que des SMG, je viens de voir ça, sauf un heal de chaque côté, c'est là qu'on se rend compte que le jeu est très très mal équilibré de base. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me semble logique. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Dommage. Bon, j'ai réussi à avoir des points quand même, c'est cool.
Hop. Voilà. Par petite rafale, ce sera mieux. Hop, d'accord. Et donc du coup, est-ce qu'il compte être équilibré avec et sans armement ? Ah oui, apparemment il est plus équilibré sans armement qu'avec. C'est génial, je sais... Oh, oui d'accord, oui, non, mais c'est même pas censé voler cette merde. Donc c'est pas grave, je considère que le jeu me la met dans le fion. Et j'irai pas jusqu'à dire que j'aime pas ça, mais que je trouve ça particulier. Hop. Voilà, quelqu'un qui me l'a piqué en plus. Ah mais c'est sympa. Hop. Pas grave. Hop. Hop, c'est pas grave, on change de côté. Et on m'appelle. Ah un instant. Je vais rien dire sur le repop là, juste derrière l'ennemi, derrière deux ennemis d'ailleurs, que j'ai trouvé juste pathétique ce repop. Donc je ne dirai rien. Je ne dirai pas qu'il est pathétique, je ne dirai pas que ce jeu est très très mal équilibré. Je ne dirai pas que. Qu'en plus il y a une bande de lâches avec des gens qui se barrent un peu comme s'ils n'en avaient rien à foutre. Je dirais juste que le jeu est fini à la pisse comme d'habitude. Et qu'on est dans le caca. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi, voilà. Bah oui, parce que c'est... sinon c'est pas intéressant. Vous savez bien que c'est pas de jouer, c'est pas intéressant de jouer à un jeu où les ennemis popent dans votre dos. Enfin, où vous popez devant les canons des ennemis, c'est certain. Bon, eh ben une belle défaite, hein. Je pense que... on va s'arrêter là, hein. Il y a que 9 minutes d'épisode à peine. Mais là, vu la branlée qu'on s'est prise... chers amis, j'ai mal au cul. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est violent. C'est vraiment, vraiment violent. Est-ce qu'on a des sous? Beaucoup de sous? Plein de sous? Même pas. Cherchez pas, hein. Je mets, faut que je fasse 3-4 victoires pour avoir une étoile. Par contre, à la première défaite, je perds tout. Donc ça sert à rien.
Donc voilà, bon bah écoutez les amis, on va se laisser là avec notre grand moustachu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce briser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Perroupe, dont vous pouvez trouver le lien dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi me donner des conseils, des astuces pour le jeu, voire même des plans sur Robocraft Garage directement dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.